Bonjour à toutes, bienvenue aux ateliers de Myriam. Aujourd'hui, je vous présente un mini-album un peu spécial avec quelques nouveautés Stampin' Up. Donc, voilà mon petit album. Voilà, c'est un petit album un peu à mon accordéon. Alors. On va l'ouvrir. Une fermeture un peu spéciale qui change un peu. Voilà. Alors, la couverture. Je me suis amusée avec les sprays encre alcool. Ça, c'est des nouveaux petits tampons fougères. Des plis. De quoi mettre une petite photo. Là, cette fois-ci, s'ouvre comme ceci. Ouvre comme ceci avec un petit cadre. Vous pouvez mettre une photo. Alors, hop, ça c'est pour la fermeture derrière avec de nouveaux petits roulements. Donc, la caméra n'est pas assez grande, mais voilà un peu ce que ça donne de ce côté. Une fois ouvert, vous avez ceci. Voilà. Oui. Voilà. Alors, c'est vraiment un petit album vraiment idéal pour mettre des vieilles photos, des photos noir et blanc. On peut mettre les photos de vacances. Je trouve ça très joli. J'aime énormément ce papier. Alors, c'est le set de papier que j'ai utilisé. C'est les fleurs séchées. Alors, donc, vous avez vraiment un vaste choix de papier à l'intérieur. Qui sont bien sûr recto et verso. On se fait avec l'effet bois, avec des vieilles publicités. Alors, j'ai utilisé aussi ce rouleau de dentelle. Il est très très fin. Dentelle festonnée. Alors, j'ai utilisé aussi ce set de tampons. Pour la fougère, il y a les petites décos avec les marguerites. Avec la petite marguerite, nous avons la petite perfour marguerite. Parce qu'on avait déjà la grande et maintenant il y a la petite et ça fait une toute petite marguerite comme ceci. C'est très fin, très joli. Je vais utiliser aussi pour le cadre. Le cadre héritage. Alors, dans le cadre héritage, vous avez les découpes. Donc, moi, je découpe déjà mon papier et après, je vais l'embosser. Voilà, c'est les cadres en 3D. Vous avez l'ovale. Et vous avez le rectangulaire que j'ai utilisé. Donc ça fait vraiment des petites arabesques.
J'en ai fait quelques-uns d'avance. Voilà, en blanc, en rectangle. On peut créer énormément de belles choses avec vos cartonnées. Je vais utiliser aussi pour le haut de mon album ces trois petites dentelles là. Donc bien sûr, le fond n'est pas à découper. Dentelle délicate. Voilà. On peut faire de très très belles choses. Voilà. Alors j'espère que ce mini-album vous a plu. Je vous ferai un petit tuto si vous désirez avec les mesures de la structure, comme je fais d'habitude en PDF, que vous pouvez télécharger facilement. Alors je vous souhaite une bonne création, puis j'espère qu'il vous a plu. A bientôt aux ateliers Myriam.